Bonjour à tous. Le bruit court depuis ce week-end que le vieux veut nommer Jean Itadi à la place de Colin Emakoso. Mais je pense que c'est vraiment une patate chaude pour Jean Itadi. C'est bien pour son CV et pour l'histoire de sa carrière politique. J'espère que cela n'est pas fondé parce que je ne vois pas M. Jean Itadi faire des miracles à la place de Colin Emakoso et surtout à la place de l'expérimenté Mwamba, paix à son âme. Mais j'interpelle beaucoup plus le PCT sur la situation du pays. Quant à ceux qui parlent de Jean Itadi, je les laisse dans leur rêve éveillé. Le PCT doit intervenir et ne peut pas attendre que le pays sombre dans l'inconnu. Le PCT doit trouver rapidement une solution, ramener le vieux à la raison, ne pas chercher à conserver le pouvoir à tout prix par la violence, convaincre le vieux et ne pas attendre que la solution vienne du Saint-Esprit. La situation du pays est en train de nous échapper, d'échapper d'abord au PCT, parce que c'est vous qui êtes responsable de ce qui se passe. Ce sont vos parents qui sont au pouvoir. Mais en tout cas, n'attendez pas que les étrangers mettent la main sur le Congo. Le PCT ne peut pas rester les bras croisés, le Congo est en train de sombrer. On ne peut pas entraîner encore le pays dans une autre guerre. Il y a eu trop de guerres au pays. Et vous, c'est vous qui l'avez entraîné, cette guerre. Essayez de trouver des solutions aujourd'hui. La transition reste la seule solution. Le PCT doit demander aux vieux d'écouter la souffrance du peuple. Sans un peuple, il n'y a pas de pouvoir. Si le vieux est là, au pouvoir, c'est parce qu'il y a un peuple. Écoutez donc, s'il vous plaît, la souffrance du peuple. C'en est trop. J'en appelle, nous en appelons à l'intelligence des membres du PCT. La solution est entre vos mains. La solution ne doit pas sortir des canons. Aidez le pays à retrouver la stabilité. S'il vous plaît. Charles-Alexandre Tsanga. Merci. Bon, on va faire comment? Donc, il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Le pouvoir, là, ça blague un temps. C'est tout. Vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit, attention, il ne faut pas critiquer au fond parce qu'il se travaille à manche pour venir écouter ce que tu dis. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit, au fond est mort, j'ai dit, c'est faux.